Travail intensif à raison de 38 heures de cours par semaine, plus le travail personnel. Et voilà le résultat pour les 11 élèves de la classe prépa aux écoles d'art de Sartène. Coachés par leurs enseignants, toutes les pratiques plastiques contemporaines sont abordées. Volume, dessin, photographie, vidéo, sculpture, installation, édition, etc., etc. On travaille sur tout ce qui est de l'ordre des arts appliqués, de l'architecture, de la photo, de la vidéo. Et c'est le résultat d'un travail de 6 mois, avec des books qu'ils vont représenter par la suite au niveau des concours et des jurys de concours. Et vous avez quelques pages qui ont été extraites de ces books pour pouvoir être présentées au niveau de l'exposition. Les Beaux-Arts, l'ANSAD, École d'animation, tous ont maintenant une idée plus précise de ce qu'ils veulent tenter. Et les travaux exposés les y aideront. Ça, c'est un projet d'art plastique. Donc c'est, la problématique, c'était le remake. Ça peut être très intéressant de présenter ça à une école d'animation parce qu'il y a de la création de personnages. Je peux exposer mes références, qu'il y a une recherche, une véritable démarche et que... une problématique, une note d'intention. Je suis quelqu'un qui se dirige plus dans le milieu des arts numériques. Donc j'ai beaucoup plus de contact avec l'infographie et l'ordinateur et je voulais sortir un peu de cette zone de confort dans ce projet. Donc c'est une sculpture qui a été faite en Suporex. Et vraiment, ça a été un projet assez long. Enfin, j'ai mis, de mes souvenirs, à peu près 18 heures à sculpter. Donc voilà, je suis parti d'un bloc pour arriver à ça. Après 3 ans d'existence, la classe prépa d'art de Sartène affiche 90% de réussite au concours. Les travaux seront exposés jusqu'au 18 mai à la Sénine, à quartier Sainte-Lucie. Moi, je vais être personne.